Attendez, je vais vous déposer ici, mon dieu, mes bras shake. Comment ça va? Devinez-vous qu'est-ce que je viens de faire? En fait, j'ai pas terminé. Je vais vous montrer, regardez, il me reste à faire ça, puis je pourrais pas. Ouais, ce petit dernier-là, là, comment il appelle? Glute Bridge Walkout. Je suis pas là encore, ok? Ça sera pas long avant que j'aille chercher de l'eau. J'ai vraiment chaud. Même si c'était pas genre le workout le plus cardio que j'ai fait aujourd'hui, je sens que demain je vais être vraiment raquée dans les abdos, les cuisses, les fesses et tout. Puis by the way, c'est absolument pas sponsorisé, ok? Ça tape, ne sait même pas que j'existe. Mais je voulais vous en parler vite vite parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. En fait, c'est ma soeur qui utilisait Down Dog comme application qui est pour faire du yoga. Mais là, je me suis rendu compte qu'eux, ils ont comme plein de d'applications en fait de bien-être, de sport et tout ça. Fait que là, moi j'avais essayé celle Workout. Puis elle est payante, mais vous avez un 30 jours d'essai gratuit, donc je me dis je vais l'essayer 30 jours gratuit puis voir après how I feel about it, genre si j'ai le goût de payer pour ça, parce que je paye jamais pour des apps honnêtement. Mais en ce moment j'ai vu il y a un 75% de rabais à cause que c'est le mois de janvier, hein. Elle s'est rendue 15 US par an, fait que c'est vraiment moins pire parce qu'avant c'était 60 US, donc ça je trouve ça un peu cher, mais ça se pourrait, si je reste accrochée, ça se pourrait que je la prenne. L'affaire c'est que vous me l'aviez dit là, dans, tu sais, on parlait de sport beaucoup récemment là, sur la chaîne et tout, puis il y en a qui me disaient ben le truc c'est, outre trouver quelque chose que t'aimes, c'est de trouver des objectifs, c'est con mais genre je me suis jamais mis d'objectifs par rapport au sport, parce que j'ai pas, tu sais, j'ai pas d'objectif de perte de poids ou quoi que ce soit, moi comme je l'ai dit c'est juste pour faire pomper le cœur un peu, tu sais, bouger mon cul parce que je fais rien. Genre l'été, tu sais, au moins je nage, jardine, tu sais, c'est vraiment, c'est quand même cardio et un peu musculaire, là. Jardiner, c'est bon pour tout le corps puis même l'esprit. Fait que, comme je vous disais, c'est ça mon passe-temps un peu méditatif slash sportif. Je sais que sportif, c'est peut-être pas le terme, là, mais en tout cas, c'est de l'activité physique, c'est ça, je veux dire. Mais là, j'en fais pas, puis depuis le confinement, genre vraiment encore moins que toujours. Comme de fait, je pense que c'est un bon truc de se donner un objectif, parce que Patoussi a recommencé à s'entraîner, puis lui aussi, il se donne un objectif. Lui, c'est plus par rapport au poids, tu sais, des charges qu'il va soulever, puis tout ça. Mais moi, c'est ça, je me suis jamais donné d'objectif. Jamais de but, fait que c'était comme ça vient deux semaines, ça repart trois mois. Ça vient deux semaines, ça repart un mois. Genre, c'est ça que j'ai de la misère dans le fond. C'est peut-être pas le sport tant que ça comme tel, c'est plus la routine ou d'être vraiment assidu pendant longtemps. Tu sais, d'avoir une routine plus fixe, parce que j'ai pas vraiment de routine fixe. Je pense que c'est ça avec ça, vu que je sais que c'est 30 jours gratuit. Mon défi, c'est comme devenu automatiquement de le faire 30 jours d'affilée, puis à date. Ça fait combien de jours? Attends, on a le petit calendrier ici. Là, il dit que j'ai manqué un jour, mais c'est parce que j'ai failli l'oublier, puis j'avais fait à minuit. Fait qu'il me l'a compté pour l'autre jour. Vous voyez, il y a comme un petit symbole 2, là. Je sais pas si vous voyez, le 4 décembre, en tout cas. Mais j'ai commencé depuis le 28 décembre, et donc je l'ai fait d'affilée jusqu'aujourd'hui. Fait que je suis quand même fière de moi. Je sais pas partout combien de temps ça va durer. Mais ouais, je la trouve super bien, cette app à date. Fait que je voulais vous la partager. Donc c'est Workout. Puis ce qui est le fun, c'est... Attendez, je vais changer l'angle de la caméra, vous allez mieux voir. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Tu sais, mettons, tu peux faire une minute. Je sais pas à quoi ça servirait. Mais tu sais, tu peux faire 15 minutes, tu peux faire une demi-heure, autant que tu veux. Moi, vu que je recommence, puis je sais qu'il faut y aller comme slowly pour pas se décourager, je le mets tout en 10 puis 15. Là, pour moi, c'est en masse. Puis là, vous avez comme plein de sortes d'entraînements ici. Bon, ils ont un peu des drôles de noms. C'est genre Dancer Legs, Abdo Cardio. Puis vous voyez, à chaque fois, ça change le détail. Bon, Summer Body. Tu sais, il y a des choses, on s'entend, c'est pas vraiment mon genre, là, avec les termes et tout ça, là. Mais c'est ça, il y en a pour tous les genres. Puis on peut comme vraiment ajuster, mettons, toi, tu veux faire plus de haut du corps, plus d'abdos, moins d'abdos, tu sais. Tu fais vraiment ce que tu veux, là, tu sélectionnes. Après ça, tu peux mettre ça, je sais pas trop c'est quoi la différence, progression, rotation. Échauffement, on peut en rajouter, c'est vrai, j'avais même pas vu ça, mon dieu, parce que moi, faut vraiment que je m'échauffe avant et après, sinon je rack énormément dans la vie. Et puis, ta récupération, tu peux choisir ta durée par exercice, si tu veux un repos, puis t'as même des niveaux, j'ai vu ça l'autre jour, tu sais, j'étais comme, oh, mon dieu, moi, je suis genre niveau 1, puis je changerais pas, honnêtement, là, c'est déjà assez dur pour moi comme ça. Puis vous avez trois voix, donc un gars, une fille, avec un accent british, puis un autre gars. Moi, j'aime bien Sammy ou Carlos. Voilà. Ah oui, puis vous pouvez même choisir votre musique. Ce que je trouve vraiment, vraiment le fun. Moi, je laisse souvent la musique entraînante. C'est vraiment des bonnes tunes qu'on connaît, tu sais, en remix. Crée ta pratique vraiment sur mesure. Tu cliques pour commencer, puis vous l'avez vu là tantôt, mais comme une fille comme ça qui fait tous les exercices, t'assuis, écoute, puis si jamais tu veux faire pause, tu peux faire pause. Sinon, c'est vraiment bien, je trouve la variété des exercices, c'est le fun. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, des fois j'essayais de faire des genres de workout maison comme ça, là, dans ma chambre, écoutez, chez ma mère, là, je suis dans mon studio pour aucune raison. Je me suis dit, ça va être confort avec le petit tapis, mais j'ai, tu sais, vu qu'en bas, le gym est pas encore fait officiellement. À chaque jour, c'est soit genre dans mon bureau, ou ici, ou dans le salon.
là, j'ai pas d'endroit désigné et tout ça, mais bref. Ouais, quand j'en faisais jeune, tu sais, je checkais des exercices sur internet, mon dieu, il y avait même pas d'application encore là, dans le temps, je pense, j'avais même pas de sel, tu sais, fait que je regardais genre des dessins sur Google, c'est terrible, puis là, il fallait faire comme des fentes, puis des squats, puis tout, puis pour vrai, je me tannais vite de tout ça, là, mais ça... Je trouve que peu importe l'exercice, ben le, tu sais comment je le personnalise, il me sort tout le temps des affaires différentes. Plein d'exercices que j'ai jamais su de ma vie, donc je trouve que c'est pas ennuyant. En fait, c'est pas trop répétitif. Tu peux mettre tes séances dans les favoris, c'est ça, marquer ton calendrier. Il est vraiment très complet, je trouve, donc je voulais vous en glisser un mot. Je m'y connais pas en tout, là, en app de sport et tout ça. Puis sinon, ben j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient conseillé des chaînes YouTube, là. Fait que si jamais vous cherchez de l'inspiration en ce moment, dans mon, c'est quel vlog, avant-dernier, je pense, il y en a plein qui parlait de yoga with Adrienne, je crois, je l'ai déjà vu, ouais, souvent sur YouTube. Moi, je suis pas très... ben, je suis pas bonne en yoga, en fait, donc c'est pas ce qui m'attire le plus en ce moment dans ma vie. Mais ouais, je sais qu'elle est super bonne dans son domaine. Moi, celle que je vous avais montrée, c'était Pamela Reif, je pense ton nom. Puis il y en a une autre qui est ressortie souvent là, dans les choix, mais en tout cas, il y a plein de beaux contenus gratuits et accessibles sur YouTube, donc ça peut peut-être compenser un peu pour la fermeture des gyms, ceux qui allaient, là, c'est pas mon cas, je pense que ça le sera jamais, honnêtement. Mais ouais, non, c'est ça, j'aime bien faire mes petits exercices à la maison. Puis ça va m'emmener à parler des résolutions quelques secondes, hein. Je voulais revenir sur ma dernière vidéo, super important, mais je vais juste aller m'hydrater puis déjeuner un peu plus, parce que finalement j'ai un petit peu plus faim que j'aurais cru. Fait que je vous reviens après, je voudrais même aller après ça ben, dans la douche, ramasser mon linge, me maquiller. Je sais pas, j'ai comme le goût de me faire un make-up aujourd'hui, là, ces temps-ci, je suis très no make-up, mais là, j'ai le goût d'utiliser un peu le stock que j'ai, là, tu sais, comme tous les produits que j'ai à tester, pis tout ça. Fait que je vais peut-être me beurrer la face. Ça se pourrait que quand je vous revois tantôt, je sois transformée. Donc, be ready. Oh my god. Pourquoi ça finit toujours fucking trop intense? À chaque fois, je me dis comme, oh, je vais faire de quoi de moyen. Finalement, c'est comme tout ou rien. Fait que là, ouais, j'ai des gros yeux très, comment dire, ben très maquillés, mais très hivernales aussi. C'est la petite palette de NYX que je voulais retester une dernière fois parce que, vous savez, je garde pas les éditions limitées, à moins que ça m'a vraiment marqué. Parce qu'après, je peux plus les utiliser dans mes vidéos. Puis ça va vraiment juste me mélanger. Fait que j'avais testé en live sur ma chaîne YouTube, là je l'ai retesté, ben en fait j'en ai profité pour faire un petit reel que je suis en train de finir en ce moment. Mais là, maintenant que je l'ai testé, que je l'ai utilisé, je la mets à donner comme pour mes amis ou peu importe. Là, je pense pas qu'il y ait personne qui va venir si bientôt, mais bon. Au moins des fards paupières, ça t'offre longtemps. Fait que c'est ça, là mon reel est fini. C'est vraiment long à faire, c'est le fun. Moi j'adore ça, c'est comme la même chose qu'un TikTok, mais sur Instagram. Fait que c'est full pratique, c'est très bien fait l'application. Je veux dire, on peut faire des montages vraiment cool du bout des doigts, là, qui était en fait une des raisons principales pourquoi j'ai aimé TikTok aussi. J'ai pas le temps d'en faire souvent, mais des reels sur Instagram, je trouve ça vraiment le fun puis pratique. Bref, là, il me reste juste à trouver une chanson. Alors, j'en essaye, écoutez, puis je vois si ça fit. Mettons que je mets ça, puis qu'on écoute. Je suis encore vraiment débutante là-dedans, là, mais je m'amuse beaucoup, puis je pense que ça va devenir ouais, vraiment un classique d'Instagram, là. Sûrement encore plus que IGTV qui a pogné à moitié, on va se le dire. Puis bref, c'est ça, j'ajoute des nouvelles cartes à mon arc. Écoutez, les médias sociaux sont toujours en évolution, donc c'est ça, on teste des affaires. Ok, fait que là j'ai vraiment faim vu qu'il est rendu midi et demi puis que finalement j'ai pas déjeuné plus tantôt. Fait que je vais dîner avec vous puis je pense en même temps je vais genre vous dire ben un le planning de la journée, on l'a même pas fait encore, puis deux revenir c'est ça un petit peu sur ma dernière vidéo de résolution. Je m'étais pris des notes pour aujourd'hui, c'est pas des jokes là. On a des choses à parler les amis, on a des choses. J'ai faim, j'ai hâte que mon assiette soit chauffée. Là, là, je vais vous dire, ça se peut que vous me voyez un petit peu moins cuisiner dans tous mes prochains vlogs parce qu'on a re-switché de rôle avec Pat. Ça faisait quelques mois qu'on essayait ça, que moi je fasse toute la bouffe puis lui toute la vaisselle. Parce que les deux, on a essayé de faire la vaisselle, donc c'est sûr c'est plus attrayant, disons, cuisiner. Mais cuisiner, ça prend aussi plus de temps que faire la vaisselle dans notre cas. Fait qu'on s'était dit, bref, on va l'essayer, hein, on va re-switcher pour un certain nombre de temps puis on verra si on aime ça. Puis à date, ça se passe tellement bien, les amis. Là. Sérieux, c'est comme si j'avais oublié c'est quoi le plaisir de se faire servir un repas genre par son compagnon. Ça fait comme 5 jours je pense qu'on a changé et je me sens, je niaise pas, comme une reine. Genre j'haïs pas ça faire à manger, mais vous savez que c'est pas non plus la chose qui me passionne le plus. Je pense que j'ai toujours aimé mieux manger que faire à manger, mettons. Fait que oui, moi ça me faisait plaisir quand Pat il disait que c'était bon, qu'est-ce que je faisais à manger puis tout ça, mais là c'est drôle que c'est moi qui vis ça. Puis je vous jure là, oh my god,
on a comme redécouvert, je crois, un talent de cuisinier à pâtes. Ça n'a pas de bon sens, ok? C'est très drôle en fait parce que pendant que tous ces mois-là que moi je cuisinais, lui, il écoutait beaucoup des vidéos sur YouTube de cuisine, tu sais, il apprenait des techniques, il regardait des recettes, tu sais, en tout cas, il a comme acquis beaucoup d'expérience. Je sens que mon chum, il fait ça souvent dans les différentes sphères de sa vie, tu sais, ses passions qu'il aime, il regarde beaucoup de vidéos sur le sujet, tu sais, il s'intéresse énormément. Puis là, ben comme de fait, il pouvait pas mettre ça en pratique, mais là oui, ok, c'est génial, tant mieux pour moi, tant mieux pour lui. Ouais, franchement, je suis agréablement surprise, très impressionnée, je suis comme, ok, ben là, tu fais mieux à manger que moi, fait que je pense que ça pourrait rester comme ça encore un petit bout de temps. En tout cas, je trouvais ça trop drôle, fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que je mange, mais c'est Pat qui l'a cuisiné. Des fois, c'est lui qui choisit les recettes, des fois, c'est moi, on fait un petit peu des deux pour l'instant, puis il y a aussi même des recettes qui improvisent tellement, genre, on dirait qu'il est rendu, genre, next level cook. Bref, regardez-moi ça, c'est l'assiette avec du tofu magique dans le livre de Looney, donc petit repas vegan, super santé. Il a tout cuisiné ça avant hier, ça nous a fait 5 grosses portions, donc on est vraiment, vraiment content. C'est vraiment bon, honnêtement, là, juste les petites patates douces comme ça en tranches, là, c'est niaiseux, mais souvent au four, on les faisait d'autres manières, lequel aussi le riz, tu sais, d'une autre façon, et le fameux tofu magique, que là, il a fait un cube, mais... c'est vraiment bon. Même lui, le lendemain, quand il a goûté dans son lunch, il était genre « Oh my god, c'était bon ». Fait que je suis vraiment contente. Là, ça fait du bien de manger. Je sais pas si vous êtes en train de dîner, souper ou juste en train de faire autre chose. Moi, j'aime ça écouter des vlogs en mangeant. Souvent, vu que c'est plus long comme sorte de vidéo, ça me permet de ralentir un peu parce que des fois, je mange vite, là. Fait que j'ai pas le temps. Des fois, je mange en 10-15 minutes, mais vraiment rapidement. C'est ça. Fait que tantôt, pour le planning du jour... Je veux vraiment que ce soit un vlog, je sais que ça fait genre une demi-heure que je parle déjà, mais je veux vraiment que ce soit un vlog un peu zéro déchet comme thématique parce que j'avais reçu 2 boîtes dans le temps des fêtes, des 3 essentiels, que vous connaissez parce que je les ai déjà présentées ici. C'est des boîtes faites au Québec de DIY produits ménagers. Puis ils en ont sorti donc une pour le temps des fêtes que j'ai pas découvert encore, puis une nouvelle qui est pour la lessive, et ça j'ai vraiment hâte de tester parce que j'avais fait l'autre fois une recette de nettoyant, de détachant en fait maison, puis ça avait pas donné des bons résultats, puis eux autres à date, toutes leurs recettes fonctionnent puis je les aime, donc vraiment hâte de tester ça avec vous, donc je vais les faire, je vais les tester après. Puis c'est ça, on va jaser pas mal de zéro déchet pour le reste du vlog. J'avais trop oublié ça, à toi faut que je fasse de la sauce aspag végé. Faut que je la fasse d'avance parce que je vais avoir besoin de ça demain dans ma vidéo qui est les 24 heures. Ben, tu sais, ma série 24 heures dans telle décennie. Demain, je fais des années 40, j'ai vraiment hâte. Ben, c'est ça, je vais faire ma sauce à spaghetti d'avance pour pas avoir trop de choses à faire demain parce que ces vidéos-là, là, c'est des tournages complexes, les amis. Et je dis ça, mais je suis toute seule, là, mais c'est vraiment intense. Bref, qu'est-ce que je fasse d'autre? J'avais mis me mettre ben, du vernis gel sur les ongles d'orteil, mais je sais pas si on aura le temps. J'en doute fortement. J'étais un peu en retard sur le planning, vu que ça, c'était pas vraiment prévu, mais tu sais, en même temps, j'essaie d'être active un peu sur Instagram, puis plus dans le domaine du make-up. Fait que bref, j'ai fait du contenu, regarde. On dirait que j'ai pas travaillé. On dirait que là, je travaille pas, mais je travaille, ok? Ah oui, je viens de voir ça, la nouvelle confinement total à partir de samedi. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont virer crackpot, là. C'est parce que je comprends, là, tu sais, on fait des efforts, puis on dirait que ça s'améliore pas, mais en même temps, moi, je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui ont fait des parties dans le temps des fêtes que c'était comme inévitable que ça allait remonter. Je sais pas, en France, en Suisse, en Belgique, de où vous m'écoutez ailleurs, vous êtes rendu à combien de cas par jour. Moi, je sais pas par cœur, je regarde pas les nouvelles, hein, ça me rend trop déprimée depuis le COVID. Au début, j'ai regardé, puis là, non, c'était trop. Fait que les nouvelles importantes comme ça viennent à mes oreilles, je fais confiance, mais je sais pas, on est à combien de cas par jour. Je sais que là, il y a quelques semaines, c'était plus que 2000 cas par jour, mais juste au Québec, là, pas dans le Canada. Puis là, je crois que ça continue d'augmenter trop, là, peut-être 5-6 000, je sais plus. Là. Je vais checker. Là. Et boy, 4 janvier, je vois 8000 cas. That's a lot. Mais sérieux, moi, ouais, il y en a clairement de plus en plus parce que moi, dans mon entourage, comme avant, je connaissais comme personne. Mettons qu'il l'avait eu, mais là, il y avait eu quelqu'un à job à pâte qui l'a eu. On est allé se faire tester, on était négatif, tu sais, plus préventif, là, mais bon. On était négatif. Après ça, j'ai une amie que ses parents l'ont eu. J'ai une autre amie que son chum l'a eu, mais pas elle, pas son bébé. Donc, bref, ça commence vraiment, on dirait, à, ouais, à être plus, ben, pas plus contagieux, mais à plus propager, là, en ce moment. Fait que, bref, c'est un peu la merde, mais j'espère que je vous aide à penser à autre chose le temps d'une demi-heure. Plus. C'est un commentaire qui est revenu beaucoup en fait sous ma dernière vidéo. Que c'est ça, je vous aidais à décrocher puis à passer le temps en confinement puis écoutez, tant mieux. Je me sens très limitée dans ce que je peux faire en ce moment sur YouTube, tant sur cette chaîne-ci que la chaîne de vlog. Des fois, tu sais, je sais que je suis pas en train de sauver le monde. Là, j'ai l'impression que c'est ça, des fois mes vlogs, c'est comme. On s'entend, c'est très. Ça reste léger là, comme contenu, mais je pensais pas à ça nécessairement qu'il y en a que ça leur fait du bien, soit dans leur solitude ou.
Ben que je vous rendais plus positif à votre tour parce que vous dites souvent que ben que je vous fais sourire puis tout ça, puis c'est con mais je me rends jamais compte de tout ça quand je suis en train de filmer, fait que je voulais vous dire merci beaucoup. Le choc ma bouffe va être froid parce que j'ai comme plein de choses à dire. Je finissais de prendre hier mes derniers commentaires en dessous du dernier vlog qui terminait avec une note un peu plus personnelle sur mes résolutions puis comment j'entrevoyais l'avenir, en tout cas mon feeling intérieur c'était quoi, comme j'avais fait avec 2020 puis ça s'était avéré vrai. Sérieux, en faisant le montage, je me trouvais tellement awkward là, j'étais genre c'est trop bizarre. Puis c'était ouais, ça paraissait peut-être plus intime ben que ce que ça l'était vraiment pour moi, mais vos commentaires, sérieux, j'étais des fois sur le bord des larmes, même vous me disiez que genre il y en a que je vous ai fait verser une larme puis tout, j'étais comment ah ouais, tu sais. Je me sous-estime vraiment dans la vie là, je pense que vous le savez un petit peu là, mais pour vrai, je vais vous dire merci. J'en revenais pas de cette dose d'amour-là, comme inattendue. Vous me disiez beaucoup, tu sais, que vous me trouviez si positive, bienveillante, gentille et tout ça, mais je veux vous retourner le compliment, là, j'ai tellement une belle communauté ici, là, vous êtes comme ma petite gang secrète, on dirait, la chaîne de vlog, pour moi, c'est un peu ça, genre, c'est là que je me sens le plus proche de vous, le plus naturel. Puis je pense que vous le ressentez aussi, vous le vivez aussi, donc, sérieux, j'ai lu tous vos commentaires, puis comme... Merci, merci, merci du fond du cœur, c'est vraiment gentil, je me suis sentie vraiment plus proche de vous à mon tour. Comme je dis toujours, autant qu'on peut l'être à travers une caméra, là, mais c'est ça, je voulais vous dire merci. Puis par rapport aux résolutions, ok, il y en a beaucoup qui m'ont fait remarquer que en fait, je devrais peut-être commencer par celle qui était prendre soin de moi, prendre plus de temps pour moi. Comme quoi, ça vous dérange vraiment pas si je prends des pauses, puis tout ça, puis que je suis un peu plus selfish, moins dans le travail, donc merci, ça, je sais que vous êtes comme ça, c'est vraiment moi qui se met cette pression-là. Mais vous avez raison quand vous dites que si je prends plus de temps pour moi, ça va en fait influencer toutes mes autres résolutions, tu sais, qui étaient de bouger plus, par exemple, parce que là, je me rends compte vraiment que, ok, quand je fais du sport, si je le mets dans mon horaire, c'est pas le me time, tu sais, le bien-être, puis le sport. Non, non, ça fait partie de ça, je me sens bien après. Souvent, je me sens plus concentrée, tu sais, moins stressée et tout. Puis je parlais aussi de méditation, ben, il y en a que le sport, c'est leur méditation. Là, comme je disais, il y en a que c'est danser, il y en a que c'est jardiner, comme moi l'été. Ben, bouger, ça libère des endorphines, ça a un effet sur le stress, sur le sommeil, sur ben, la santé overall. Donc je suis comme, ok, faudrait vraiment que oui, que je me botte le cul à m'instaurer ça, que je focus là-dessus, prendre plus de temps pour moi, et donc ça inclura ce que je veux, tu sais, développer des nouvelles passions, des passe-temps comme je disais, mais aussi de temps en temps, le plus souvent que je suis capable, puis que ça me tente, tu sais, des petites sessions plus sportives, parce que je suis comme... Je sais pas, j'ai peur que si je fais jamais de sport, tu sais, puis que j'en fais pas gros depuis les dernières années, qu'un jour ça va me rattraper en termes de santé physique, là. Genre que j'aurais moins d'énergie ou que je raque à rien, là, tu sais, juste vraiment pas en forme. Fait que j'ai pas le goût de me rendre là non plus. J'aimerais rester on track le plus possible. Là, c'est facile à dire parce qu'en ce moment, janvier, je veux dire, c'est tout le temps calme pour moi. Tu sais, j'ai moins d'emails, j'ai moins de tout, là, y a pas de contrat vraiment sur la table intéressant. En tout cas, il y en a que j'ai dit non. Mais c'est ça, c'est calme. Fait que c'est facile à dire. On verra, genre, au printemps ou je sais pas quand, là, si je pense encore comme ça. Mais bref, merci de m'avoir fait réaliser que c'est ça, en faisant ça aussi, en prenant plus de temps pour moi, puis en me respectant plus, je pourrais donner plus de temps de qualité à mes proches, tu sais, ça aussi, ça peut faire partie quand même de mon me-time, là, si on veut. Fait que je vais focus là-dessus, écoutez, je vais vraiment essayer de m'améliorer sur ce point-là, puis on s'en redonnera des nouvelles. Hiya! Wouhou! Enfin, j'ai le temps de les faire, mon Dieu, que j'avais hâte. Ok, celle-là, c'est-tu celle de Noël? Oui, temps des fêtes, c'est écrit dessus. Donc, ça ressemble à ça, les petites boîtes. Celle-là est peut-être plus en vente, j'ai pas vérifié. Donc, on a une bombe de bain jour de neige. Ça, j'ai jamais essayé. Oui, j'en ai déjà fait dans le temps, mais en tout cas pas avec eux autres. La mousse récurrente, c'est vrai, la fameuse mousse ben, que je faisais de la recette des trois essentiels que j'aime. Ils l'ont faite version Noël, donc parce qu'elle s'appelle promenade en forêt. Probablement que ça sent genre le grand air, les sapins et tout. Ça, c'est pour faire la mousse récurrente. Donc, dans le fond, ils vous donnent tous les contenants, les ingrédients. Vous avez juste à le faire. Ça prend quelques minutes. Et après, ben, vous avez la recette. Donc, vous pouvez en refaire continuellement. C'est pas des ingrédients qui sont genre méga durs à trouver. Tu sais, comme ici, t'as de l'eau, bicarbonate de soude, tout le monde a ça. Savon de Castille, ça se trouve chez Avril. Moi, c'est là que je l'achète. Et des huiles essentielles. Bon, il y en a partout aussi. On a sur Internet. Donc, ça, on a le petit moule pour faire la bombe pour le bain. Puis, bicarbonate de soude. Tous les emballages, en passant, sont soit compostables, recyclables ou peu importe. Mais ouais, genre même ça, garder sac compostable, ça a l'air d'être en plastique, mais non. Bicarbonate de soude, on a... Oups, un petit merci, avertissement. Ok, il donne juste des petites précisions par rapport aux ingrédients et tout. Très bonne chose parce que oui, entre autres, les huiles essentielles quand vous êtes enceinte, c'est pas conseillé. Yay! Fait que je pense qu'on va commencer par celle-là. Après ça, celle-là, c'est pour faire plus la lessive, la salle de lavage, comme thème. Je pense que...
que je vais commencer donc avec la bombe pour le bain un jour de neige. Ça dit 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. En fait, tout est déjà calculé. Donc, on met les ingrédients secs dans un bol, on mélange bien. On ajoute le contenu de la petite bouteille. C'est quoi? C'est celle-là, la petite bouteille? Je vais aller chercher des petits bols pour continuer. Donc, on met les ingrédients secs. Attendez, je vais y aller en ordre, là, et ça, ne pas me tromper, mais c'est comme très facile à suivre. Oups! L'acide citrique, sel d'Epsom. Ma petite Lily est tannante, elle veut jouer. Viens t'en dans la vidéo, Lily. Elle finit sa sieste, j'arrête pas de lui donner à manger, puis je sais pas. She keeps coming back, elle veut de l'attention. Puis après, ben je pense que c'est ça, il faut juste vraiment que ça soit humide uniformément. Puis après, on va pouvoir le compacter là-dedans. Mais je pourrais pas le tester tout de suite parce qu'il faut le laisser sécher de 12 à 24 heures. Hein. Fait que je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Bon, c'est l'heure du moulage. La formule a l'air plus sec que ce que j'aurais imaginé. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Je pense que je vais juste couper comme ça, puis genre vraiment venir compacter avec mes doigts autant que possible. Ouais, d'après moi, c'est ça, ça va sécher en place. Et okay, comme ça, et de 1. Ok, concentration, concentration. C'est là que ça me stresse, là. Je suis censée clipper ça ensemble, moi, là. Oh! Ah! Oh my god, le stress, attendez. On va la voir, on va la voir, bougez pas. Attends. Oh! Hey, je l'ai eu! Yay! J'ai ma petite Pokéball, c'est bon. Ça, je la mets de côté. On avait, bon, la mousse récurrente à faire. Il m'en manque-tu? Je pense que oui, je pense que j'en avais plus en haut. Ça tombe bien. Ça, en fait, c'est vraiment pas compliqué. On ajoute le bicarbonate de soude dans celle-ci. On mélange, puis on ajoute un peu d'eau. Ça dit une cuillerée à soupe d'eau. Checker comment je suis pas bonne. Ah, j'ai ouvert mon sac tout croche. Donc, on mélange. Au début, c'est vraiment plus liquide, mais éventuellement, ça devient vraiment comme une pâte, là. C'est thick. Mais on peut remettre de l'eau, remélanger. Allô, pote! Ok, fait que là, on est rendu à tout ce qui est détachant textile, brume textile et savon à lessive. J'ai vraiment hâte de voir. Je sais pas ça va être quoi le rendement. Et moi, j'aimerais ça tester le détachant textile. J'ai même laissé des vêtements qui étaient tachés là pour l'essayer après. Donc, on a besoin juste de l'eau, bicarbonate de soude, le savon, les trois L et vinaigre blanc. Ok, c'est parti! Ça là-dedans. Mon savon, il a figé. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, j'ai fait une bêtise. Oh mon dieu, non! Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, j'étais allée bien trop vite. C'est parce que j'ai pris le savon, comme il disait, mais il fallait 2 cuillerées à thé et non tout ça qui est un tiers de tasse parce que j'imagine que vous en servez genre dans le savon à lessive. Eh oui, un tiers de tasse. Ah, mais là, il y en a d'autres ailleurs, ça va faire? Oh merde! Ok, j'aurais dû sortir tous les ingrédients avant. Ah, je pense pas pouvoir... Qu'est-ce que je vais faire? Ok, c'est bon gang, je vais pouvoir inverser les recettes. Fio, parce que là, dans le fond, j'ai mis de l'eau. Puis dans le savon à lessive, il fallait ajouter 4... Faire bouillir, en fait, 4 tasses d'eau. Puis brasser comme ça, fait que je vais juste ajouter de l'eau. Puis ça, ben, je vais m'en servir pour l'autre recette après. Ok, je repars ça. Je vais ajouter beaucoup plus d'eau. Je sais pas si ça va marcher, mais je pense que ça va être correct. Je vais scooper mon savon au cas où. Regardez! Méthodologie, là c'est clair, tout ça, ça va de même, ça va de même, ok? Les kits sont vraiment bien faits, c'est moi qui est poche. Oh god, je suis très gaffeuse aujourd'hui, on dirait. Ok, là ça y va, là. Mais clairement c'est mieux. Fait que là on peut mettre le bicarbonate de soude. Oh, ça mousse, my god, ça mousse, check. Oh, je pense que c'est trop chaud. Oh non! Réaction là. Oh my god, je pense que c'est peut-être trop chaud. J'ai mis ça dans l'évier là, ça est en train de déborder. J'ai peut-être un temps, juste trop un petit chaudron, je pense. Ok, là faut que je mette les cristaux. J'ai encore peur qu'il y ait une réaction chimique. J'essaie de vous montrer ça d'une main. Mais c'est dur de tout vous filmer le processus vu que je suis comme très gaffeuse en ce moment. Ok, là ça s'est calmé. Bon. Ok. Contenant d'au moins 2 litres, on met 4 tasses d'eau froide et la petite bouteille ici. Je vais attendre que le reste du mélange refroidisse, après ça j'ai mélange, puis c'est tout. Ça va être prêt. Très bien fait, très bien pensé, je vous dis, c'est moi qui est pas bonne aujourd'hui. Donc pendant ce temps-là, on pourrait faire le détachant textile, prise d'eau. Faire des tasses d'eau. Ça, ça, ça. J'ai soufflé, mon dieu.
Hey, j'ai fait ça vite, je pense que ça fait une demi-heure max que je suis tout en train de faire, mais là, je pourrais pas les tester tout de suite parce qu'ils sont en train de refroidir, ça va prendre quand même plusieurs minutes encore. Donc je vais faire la dernière recette qui me reste à faire, la brume textile, qu'il faut juste ajouter de l'eau. Simple de même, oui madame. Oups. Mon entonnoir est trop gros, est-ce que ça va mettre partout? Oui hein, clairement. Si je le tiens fort, ça va-tu en mettre partout vous pensez? Attendez, on essaye. Ça y va, ça y va! Je pense que ça va couler. Si je lâche, je pense que... Ah oui, j'ai trop d'eau. Ok, attendez, je m'en vais au lavabo de même. Bougez pas, bougez pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis trop pressée de les faire. Oh my god, ok. Ça, c'est comme quand tu te forces à emmener plein de choses dans tes bras au deuxième étage, ça va pas tomber, puis ça tombe. C'est exactement ce qui est arrivé. Tu as dit salle de lavage, mais d'après moi, c'est bon pour toutes, là. J'ai comme un peu de misère avec mon spray, mais quand j'y vais comme ça, ça y va. Ah! Bon. Ça sent bon pour vrai, j'ai juste la misère avec mon spray. Je vais peut-être couper le bout, il est peut-être trop long, je ne sais pas. Ok, fait que le détachant textile est prêt, on va pouvoir faire le test. Je sais pas si vous allez voir les petites taches que j'ai. C'est quand même subtil, mais j'en avais une sur ce chandail-là depuis longtemps. J'avais essayé de la faire partir, puis c'est pas parti. Voyez-vous, genre ici, la ligne, là? Ici, genre, ça a l'air plus jaune, je sais pas c'est quoi. Mais ouais, vous la voyez ici, là. On va essayer de la faire partir. Puis celle-là, je pense que c'est comme plus une tache de gras. Je sais pas quoi, fait que je vais faire un test. Je pense que je devrais peut-être mouiller un petit peu, quoi, qu'il y a déjà de l'eau là-dedans, je sais pas trop. Il dit juste de bien agiter, puis de vaporiser directement sur la tache, puis de les laver après comme à l'habitude. Donc, on va essayer comme ça. Ben, pareil comme je fais avec le spray and wash. Dans le fond, là, je mouillais pas mon vêtement avant. Fait qu'on va essayer. Choup, choup, choup. Voilà. Oh mon dieu, on dirait que c'est déjà parti. Est-ce que je rêve? Juste en frottant un peu, on dirait que c'est déjà plus là. Oh, yes, yes, yes. Checké, on voit à travers là, puis je vois plus. Je vois plus la trace. Là, ce que je pense que je vais faire, dès que mon mélange va être assez refroidi, je l'ai mis dans le frigo, là, d'après moi, il va être prêt, c'est que je vais faire une brassée, incluant ces deux trucs-là, parce qu'il faut que j'ai lave, hein. Je peux pas les laisser vraiment comme ça, en tout cas, je pense pas. Puis, ben, quand ça sera sec, tantôt, il va faire noir, c'est sûr, rendu là, mais je vous montrerai ce que ça donne, puis qu'est-ce que j'en pense de ce savon à linge-là. Mais en attendant, j'ai d'autres petits trucs à vous montrer, puis à vous jaser. C'est vrai, j'ai une pensée que j'étais due pour refaire mon petit spray. Ben, pas le refaire, mais juste en remettre dans ma bouteille. Ça, c'est le vinaigre d'agrumes, qui est vraiment honnêtement la recette classique que je vous conseillerais si vous commencez les produits ménagers maison. Parce que c'est ultra simple. Il y a la recette dans mon livre en passant mon deuxième, là, pas le premier. Mais ouais, sincèrement, c'est ce que j'utilise ici depuis, je pense, 3-4 ans. 3 ans, 4 ans. 3 ans, je pense, comme nettoyant maison. Donc, j'ai juste en remettre dedans. Là, je pense que mon entonnoir va être la bonne taille. Fait que oui, c'est vraiment simple. Mon dieu, je fais juste comme en remettre dans ma bouteille qui était vide. Et sans suite, ben j'ai juste à remettre du vinaigre tout par-dessus, laisser macérer ça dans le frigo. Et voilà, ça vous fait un beau petit nettoyant. Qui sent un peu, oui, un petit peu le vinaigre, mais aussi pas mal les agrumes. Vous pouvez mettre des huiles essentielles dedans si jamais vous voulez. Moi, je le fais pas, mais voilà, ça nettoie très très bien mes comptoirs de cuisine, des choses, tu sais, faciles comme ça. Pour les choses qui sont plus poreuses, comme cette texture-là, par exemple, je prends la pâte haricot curry, des trous essentiels qu'on a fait tantôt, parce que là, avec le bicarbonate de soude, ça vient comme plus, c'est comme l'exfoliant pour la face, mais genre des produits ménagers. Fait que je trouve que ça marche bien pour ça, ou tu sais, les taches collées sur le four, je prends la pâte, mais sinon, tout le reste, je lave avec ça. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? C'est-tu l'heure de jouer, de manger? Qu'est-ce que tu veux? Mange! Elle aime pas son bol interactif. Elle attend vraiment que j'y en mette dedans. Des fois, si je m'occupe pas d'elle, je l'entends, tu sais, puis elle joue avec, mais pas tout le temps. T'as souvent, t'aimes ça que maman mette ta bouffe. Oh mon dieu! Elle s'est frottée sa caméra. Je sais pas si c'est rendu sale, mais oui, souvent, elle aime ça que j'y en dépose là. Vous voyez? Elle sait comment ça marche, c'est juste qu'elle fait pas. Puis là, désolée, son tapis est encore tout sale. À chaque fois, j'ai honte de vous vlogger ça. Puis je me dis souvent que les tapis de vos animaux aussi sont sales de même, c'est juste que vous les filmez pas. Bonne fille! Bravo! Bravo! Ah, t'es bonne, t'es capable. Des fois aussi, c'est de mettre des gâteries dedans, comme ça, ça stimule un peu son intérêt, mettons. T'es bonne. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire ensemble cet après-midi. By the way, ça, j'ai juste rajouté de l'eau vu que le reste des ingrédients étaient déjà dedans. Puis ça sent
tellement, mais tellement bon. Là, je viens d'en mettre dans tous mes rideaux. Ouais, j'adore. Fait que vraiment cool. Fait que je vous reviens pour l'update de... Ben ça, ça a l'air déjà bien, mais pour le savon à linge, voir si ça a bien nettoyé mes autres vêtements. Parce que ouais, ça, je pense que ça a vraiment marché, mais c'est juste après cette étape-là qu'on va le savoir pour vrai. Sinon, par rapport au savon de Marseille, je l'ai testé l'autre fois pour nettoyer tous mes petits trucs réutilisables, genre les cotons pour les yeux, ben pour démaquiller en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'avaient dit que ça marchait bien. Puis écoutez, oui, mais je continue d'utiliser quand même mon percarbonate de sodium parce que je trouve que ça blanchit vraiment les cotons, ça aide. Il reste quand même gris. Puis ça, je me suis rendu compte que c'est un savon qui est quand même assez gras. Je sais pas c'est quoi vraiment son pouvoir détachant, tu sais. Mais non, ça a bien lavé. Là, je les avais laissé tremper pendant plusieurs heures. Puis après, j'avais vraiment genre un cerne de saleté dans ma bassine. Donc c'est sûr que ça a fonctionné. Mais j'ai quand même repassé après avec le percarbonate de sodium. Bref. Là, par contre, apparemment, c'est le blanc que ça prend pour les produits ménagers et non le vert qui serait plus cosmétique. Je sais pas si on peut quand même faire des recettes avec lui, là, sûrement. J'ai pas testé encore, type comme pour me laver dans la douche ou quoi que ce soit, mais il y en a qui m'ont dit que c'était bon pour laver les pinceaux de maquillage. Puis là, j'ai comme le goût de faire un dernier petit test avec vous, vraiment quick. Quick, parce que j'ai fait le petit shampoing à mes pinceaux il y a genre vraiment, je sais pas, 4 jours, là. Fait qu'ils sont vraiment propres encore. Mais tiens, ceux que j'ai utilisés aujourd'hui, au pire, je vais le tester avec ça. D'après moi, c'est bon parce que, ouais, ça marche de prendre un savon à l'huile d'olive parce que ça revitalise comme les poils des pinceaux en même temps. Je vais tester un premier ici. Oh! Premier test très convaincant, le pinceau s'est nettoyé vraiment vite. Il y a quelqu'un aussi qui me dit pour les beauty blenders, fait que je vais aller chercher mes éponges après parce que oui, je pense que vraiment ça peut marcher. C'est parce que ça mousse comme direct, puis regardez, voyez-vous la saleté? C'est un peu dégueu, mais ouais, je pense que je vais vraiment aimer ça. Checker, il est sorti tout blanc. Ok, mais ça marche tellement bien, là, genre je vois tout le fond de teint sortir. Regardez, c'est fou! Honnêtement, ça marche mieux que genre les savons que j'utilisais, là, les savons random à l'huile d'olive que j'utilisais. Oh my god, ça sort encore. Elle est toute nettoyée, genre parfaitement. Ok, wow, pour de vrai, je suis vraiment impressionnée, là. Tout est sorti vraiment clean. Fait que je suis contente d'avoir pris le temps de tester avec vous parce que je pense que je vais peut-être l'utiliser pour ça finalement, mon petit savon. Waouh! Puis merci en passant à celles qui m'ont donné des recettes de lessive maison justement avec. Mais là, vu que j'ai une faire, c'est les trois essentiels, ben je pense que je vais l'utiliser pour ça en tout cas au début. Et là, j'ai encore cette poule qui vient me déranger. Qu'est-ce que... Oh! Oh, c'est parce que tu te frottes sa caméra comme quand tu fais dans ma face. Oh! T'as-tu encore nous faire une démo de toi qui mange dans ton bol à terrain? Kiffy! Bon, fait que ma sauce est en train de mijoter. Hey, je pense que j'ai pleuré des yeux. Ça se peut qu'on maquillage, j'aurais rendu lettre, là. Là, je vais prendre un break parce que je viens de me taper la vaisselle aussi, puis je suis crevée. Je vais juste voir mon petit séchage, mon petit lavage, qu'est-ce que ça a donné. J'ai senti mon linge, en tout cas, direct en sortant de la laveuse, et ça sentait très bon, très frais. Je pense que je vais adorer cette recette et que je vais la refaire. Est-ce qu'on a encore notre petite tache ici? Je pense qu'elle était genre en haut ici ou là, hein. Oh non, c'était derrière, c'est vrai. Attendez, je suis pas du bon bord. Oh, elle est encore là. Mais j'étais sûre qu'elle était partie tantôt. C'est-tu la même? Puis ça, c'était pas taché, c'était juste pour faire un test, mais ouais, ça m'a l'air bien propre. Le chandail, lui, il y avait une tache en avant. Ah, je vois plus. Fait que ça, je pense que ça a marché. Ouais. Yay! Je pensais qu'il était vraiment scrappable. J'avais pas réussi avec mes autres affaires, moi. Bon, mais parfait. Écoutez, ça, je vais juste lui donner une deuxième chance. Je vais essayer de faire partir juste le petit cerne ici. J'en donnerai des nouvelles. Ah, ça fait du bien de se démaquiller, mon dieu. Je ne pensais pas avoir le temps de faire mes ongles de pied ce soir, mais oui, je vais avoir le temps, donc je prends un petit, quoi, 40 minutes de me-time. Ce qui est bien, n'est-ce pas? Parce que c'est ma résolution. Il faut pas oublier que j'en ai pris ce matin aussi avec le sport, donc c'est quand même pas pire, mais ouais. Ah non, j'avais l'énergie qui chutait, là, après toutes mes affaires, fait que c'est ça. Je vais slacker la pédale un peu. J'avais froid aussi, fait que là, j'ai mis mon pyjama préféré. Je pensais qu'il était sale. Oui, les manches de pyjama puis de robe de chambre, ça vient tout le temps sale. Si vous mangez comme moi dedans puis vous faites plein d'affaires dedans, mais c'est ça, ça salit. Fait que je vais faire mes petits pieds, je suis vraiment excitée.
voilà! Ali Hamilton serait fière de moi. Bien, je suis venue voir que ça avait de l'air ça. Ça a fini de cuire. Mais j'ai un petit secret à vous dire. Premièrement, c'est de la sauce à spag végé, là. C'est pas ça mon secret. Mon secret, c'est que je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais genre une batch de sauce à spag. Je sais pas pourquoi, genre, j'aime ça, pas tout si, puis on en fait jamais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bon, ben les amis, moi, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Gentiment, je vais faire jouer cette petite madame qui est très très hâte. Ça a été une bonne journée productive, mine de rien, j'ai quasiment le goût de faire une... Est-ce que vous faites ça des fois, des genres de checklist, mais à l'inverse? Je pense que c'était Eve Martel qui avait donné ce truc-là. Tu sais, des fois, tu sens que t'as pas assez accompli quelque chose dans une journée, mais tu te fais une liste de tout ce que t'as fait. Tu sais, au lieu de juste les rayer, tu te le remémore avant d'aller te coucher, puis là, t'es comme, ok, là, je peux être fière de moi. Je vous laisse, je vais être en forme pour demain, ma grosse vidéo, mon dieu, j'espère que vous allez être de retour sur la chaîne principale parce que j'aime tellement cette série-là, puis j'ai pas posté non plus la semaine passée, fait que ça va être mon grand retour en force. Je pense que j'ai des belles vidéos quand même de prévues là, pour le mois de janvier sur ma chaîne principale, fait que je vous passe le mot si jamais. Mais ouais, en tout cas, j'étais contente de vous avoir avec moi ici aujourd'hui, merci d'avoir passé tout ce temps en ma compagnie, puis ben je vous dis dans quelques jours, je sais pas quand par cœur, mais on va en profiter ces temps-ci, l'horaire est un peu plus clément, donc voilà, merci. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye! Oh oui, excusez mon dieu, j'ai quasiment oublié. Je vais vous dire la tache de gras là, qui partait pas. J'ai refait un autre test puis c'est parti. Puis les trois essentiels ont réactivé mon code. Si jamais vous vouliez essayer leur trousse, c'est pas affilié, c'est juste un code promo pour vous gâter. Fait que enjoy, c'est Sin du 10. En tout cas, ça va être écrit ici pour 10%. Bye tout le monde!